Donc, Haïti politique et constitution, le président Jovenel Moïse pourra-t-il organiser le référendum du 27 juin 2021? Alors, vu que nous avons parlé de questions diaspora avec Robinson d'Haïti, et sur question éditoriale, et nous t'ai dit plusieurs fois ici en émission Matin Débat, diaspora est très vaste. D'ailleurs, son concept. Mais il y a des gens, je dis, lors de diaspora, pour les mêmes diaspora, c'est États-Unis seulement. Je me rappelle pour dire que l'on parle de diaspora, c'est côté qui gagne haïtien, communauté haïtienne, ok, tout partout sur la terre. Même si c'est en Irak, même si c'est en Afghanistan, et même si c'est en Bosnie-Herzégovine, même si c'est en Allemagne, quel que soit côté qui gagne haïtien, depuis qu'on communauté, eh bien, il fait partie en fait de cette diaspora-là, donc on a parlé de l'IA. Ceci dit que la question de l'intégration de la diaspora dans les affaires publiques et politiques en fait en Haïti, et que diaspora capable de participer et dans le débat décisionnel et sous pays, et nous-mêmes qui dans la diaspora, faut nous très prudents et faut nous connaître exactement qui rôle que nous-mêmes nous avons pour nous appeler pour nous jouer. La nouvelle constitution, il est possible à ce que ou même que la diaspora soit capable de voter. Ça veut dire vote électronique là. Donc, il y a des représentants de la diaspora qui parlent élus au niveau du Parlement haïtien et avec possibilité pour des candidats à la présidence sortir dans la diaspora venir participer donc, aux élections présidentielles, madame, monsieur, donc, en Haïti. Maintenant, la diaspora, il faut qu'il participe. Et au moins ça que moi senti qui a venu permettre à tout et je suis l'exido me senti que pas gain en discussion. C'est pas oublier madame monsieur. Je dis en Jean que Robinson d'Haïti dit là Jean que nous voilà non et éditorial là. Faut question diaspora c'est bon petit groupe d'activistes. OK? Les concernés ou du moins qui ramasse question diaspora juste parce que y a besoin place au soleil. Il y a besoin de créer en place donc sur le marché politique en Haïti. Et je doute fort que ce n'est pas ça qui va arriver. Parce que la diaspora en pile. Et soit prendre tant de voix diaspora, il y a des voix qui sont importantes dans la diaspora. Ah, bien sûr. Qu'on pas attendre dans le débat constitution là, je dis là, qu'on pas attendre en Haïti. Oui, et peut-être probablement des groupes, je dis, hein, qui disent tête, ils sont représentants de la diaspora. Il y a beaucoup même pour représenter diaspora qui pas même gonde moun sa yo. Oui. Alors oui, moi même tout je viens des moun surtout les gars des moun qui passent là responsable d'organisation qui dit c'est représentant de la diaspora. Moi tout jeune moun n'a dit qui moun sa yo et comment ka prétendre que représente voilà. Comment ka prétendre que capable représenter diaspora on va rien connaît qui tellement là j'en sou dit le mais et alors que mon capitaine là tout et par rapport avec approche Robinson sur question diaspora et une question de confiance font ça l'agent ça il va que l'agent n'importe comment faut bien pas oublier garder ce qui a passé avec et dollars 50 là eh bien garder pas gien monde qui connaît ça l'agent ça fait pas gien monde qui connaît comment oublier donc gon manque de confiance de la part de diaspora pour dire bon prend cobler là venir laguer le qui bon. Parce que là, nous regardons nous en pays, c'est corruption qui gangrène toute administration publique là. Et c'est l'icap fin à payer contre bande toute bagaille. Bon question de confiance. Maintenant, quant à la participation de la diaspora, même pas c'est son coup que l'exécutif l'a fait, les met accent ouais, sur diaspora, très bon coup. Son coup lié ouais, tout simplement ouais. Parce que on connaît que et projet de nouvelle constitution n'est pas bienvenu dans le pays. Ouais. Les différents secteurs de la vie constituant la vie nationale, il y a pas ouais de bon œil et cette proposition ce projet de nouvelle constitution que l'exécutif n'a pas lu. Maintenant, puisque diaspora était toujours rejeté,
Et ben l'embrasser, li mettait l'eau devant de la scène et les diaspora bon mais toute opportunité ou bien tout avenir qui dépend de nouvelle constitution ça mais pour diaspora ka et embarqué. C'est un coup politique, son coup pour attirer moun sous question et constitution ça qui pas vraiment et il est vrai que tout moun après tout moun jo gen nécessité pour gen changement gen passé mais changement de régime ensemble de gros changements qui annoncé dans constitution ça li pas fait l'unanimité bon même ka dit li pas fait l'unanimité il est très controversé il y a une question d'abord parce que pas il y a le fond et la forme. Oui. OK, dans le fond, et tout le monde d'accord qu'il faut qu'on passe mais ou du moins il faut qu'on changement de constitution. Yeah. Maintenant dans la forme, c'est Jean en fait approche au fait la fait part là. Ce gouvernement ouais. qui fait que je dis qu'il y a des secteurs qui disent que même il y a pas dans question constitution avec gouvernement ça. Yeah. Mais en fait dans la mentalité je dis au bout du moins dans l'opinion je dis c'est que tout le monde d'accord faut qu'on changement de constitution. Oui, oui. Et d'ailleurs il y a un sondage qui fait tout ça. Mais en ce sens. Bon, okay. sondage moi. Oh, yo pose petit problème parfois. Oh, petit problème mais oui. Mais dans l'opinion voilà. Tout compte au passé. C'est ça. Ouais, la nécessité ou bien pour passer changement, passer mais ou bien changement, passer mais ou bien changement, je dis là. Et Lila. Le besoin se fait sentir. Maintenant, si tout secteur, tout le monde a nécessité pour passer mais ou bien changement, malgré ça, ou pas embarqué, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Est-ce que il y a un problème avec moun, l'initiateur? Est-ce que c'est l'initiateur qui pose problème ou la manière d'aborder la question? Est-ce que c'est ça qui problème? Non, pas qu'on est. Mais il y a tant de remarques, il y a tant de différentes personnalités, différents acteurs dans la vie nationale, dans le pays. Il y a que son bagage qui prend, et il m'a dit, son décision unilatérale, parce que il y a une décision comme ça, de telle envergure qui doit concerner tout pays. Parce que c'est la vie du pays, l'avenir même du pays, l'État doit gagner une large participation des différents secteurs de la vie nationale. Mais ça, pour nous comprendre toujours, c'est ce qui est très important. Je n'ai pas oublié que maintenant, c'est rôle, c'est faire, en fait, auditeurs nous comprendre l'importance okay, des débats qui gagnent pratiquement dans le pays. Là. La question de la Constitution, il faut que je dise que. Il n'est pas aussi simple que peut-être gens que tout le monde a compris. Ouais, dans ces constitutions ça, et nous voyons que mettre Ferry Dorval mourir pour lui. Dans ces constitutions ça, c'est son ouais définition totale de système ça me dégage les politiques tout particulier dans le pays. Nous a dit que un jeu à grand bill. Il pas concerné seulement les acteurs politiques haïtiens, il pas seulement concerné le peuple haïtien, il concerne tout en fait l'international. Et je dis, hein, si on regarde les nouveaux textes avant projet de loi, en fait avant projet de constitution, ou pas loin, c'est comme dans une démarcation qu'a faite, constitution 1947 là, l'homme était là avec constitution française là. Pas gain tellement trop gros différence non. C'est comme la loi sur copie conforme de la constitution de la République française. Ouais, même Jacques Cadnouyo, même Jacques Cadnouyo. Cadnouyo s'est retiré Paris, mettez pas au prince, retiré Lille, mettez. Ah ben nouveau texte constitution ça madame monsieur. C'est do oui que n'a bailler à la France. N'a bailler do à la France pour nous garder les États-Unis danger. Ah ben c'est ça quoi nouvelle constitution madame monsieur. Là dit que bataille ça c'est mon bataille haïtien les seulement c'est mon bataille acteur politique seulement donc son bataille ouvre ou jeune que des acteurs internationaux yo impliqué la donne et ça fait moi dire que matin était important pour nous garder question référendum là garder jodi hein qui gens les américains a pas appuyé le président Jovenel Moïse. Et si le secteur international aujourd'hui qui pour une nouvelle constitution, ce sont les Américains. D'ailleurs, des rumeurs qui circulaient, relayées par certains médias également, ou même des leaders politiques qui disent dans des stations de radio,
et que texte constitution ça c'est pas haïtien qui produit. Ouais, son bagage tout fait. Son bagage qui produit justement probablement par des haïtiens et américains que blanc lui même l'utiliser et puis qu'on y a américains yo imposé, yo proposé donc à ce gouvernement, yo imposé pratiquement donc au peuple haïtien. C'est comme là d'où je dis yo estime que Haïti n'en route que ni à là non pas dans bon route là, nous pas jamais capable appliquer constitution 1957 là. Je dis en tout nous pas jamais capable entendre nous sous qui pays que nous voulons. Et puis, on prend destiné pays à partir de cette nouvelle constitution. Parce que tout ça qui est dans la constitution, ça qui n'est pas bon pour Haïtien, et puis le bon pour blanc. Ça qui n'est pas bon pour Haïtien, et puis le pas bon pour blanc. Généralement, c'est comme ça. Généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire que la question de la constitution, puis quand nous prenons la constitution, nous avons qui comme ça. Son maire, c'est simple, il concerne le président Jovenel Moïse, il concerne non, il concerne l'acteur non. Et je dis, en phase nous là, c'est une occasion pour clairement nous dire si nous d'accord ou si nous pas d'accord. Parce que madame, monsieur, pas oublié, je dis là, il y a une nouvelle constitution qui va permettre Jean-Bertrand Aristide de retourner en élection comme candidat à la présidence. Par contre, ça, monsieur, va le faire. Par contre, qui ça, comité consultatif, va le faire. Parce qu'une nouvelle constitution, ça veut dire que c'est quatre là qui rebattent. Alors... Et même là qui n'a pas gagné de charge, t'as goulou à la motte, la possibilité pour venir à l'élection comme candidat à la présidence. Sauf que dans le cas Aristide, là, il y a cas différent. Comment dans le cas différent? Il y a cas différent parce que Aristide n'est pas dans le pays comme ça. Comme ça. Comment ça? Actuellement, Aristide n'est pas doué dans le pays. Non, on va parler. Là, c'est peut-être ton débat. Oui. C'est blanc qui a empêché. Voilà, parce que Fabien, il y a des bagages. Je suis sûr que il y a des deals avec blanc, il y a une tente qui probablement te joue. Pour dire, voilà, où vini, mais question, ou après de vini, c'est dans question université, c'est dans un bagage social, il l'a fait. C'est ça, ou l'a fait. La question politique du dans le pays, ou pas, ouais, Jean-Bertrand Aristide vraiment trop impliqué. Mis à part considération ça. Oui, mais légalement, j'en dis, de droit. La Valasse, les hommes de gauche qui sont côté de la Valasse, qui sont côté de Jean-Bertrand Aristide, et si ou ne pas prendre la rue après l'an, ils vont faire constitution, parce qu'on connaît que quelque part, constitution est bon pour eux, qui permet que Jean-Bertrand Aristide tourne une élection comme candidat à la présidence. C'est même Jean tout le cas permettre, moi dis, tout n'est qui bat de chaillot, parce que c'est quatre là qui rebattent. On a été couloir à la mort, il tourne donc une élection, il vient dans l'élection comme candidat à la présidence. Mais c'est garde, je vais regarder pour moi, parce que il y a un débat déjà sur ça, permettre à tout. L'équipe de PHTK, il n'y a pas trois questions que je vais réussir à venir candidat à la présidence. Il a dit non, on va mettre un tiatique. Un tiatique pour qui ça? Pour dire que si n'est qu'à des mandats, il va venir là. Non, on va mettre pour Michel Madel et tout. Ou quand mettez le privé tout. Ou quand tout simplement dit que si Nagagon, depuis Nagaté président déjà, le Pagatou n'est comme président de la présidence. Michel Madi, son seul. Non. De Boal dit. Non, De Boal mette des barrières. Que c'est la balance en barrière. Oui, c'est. Ou viser un secteur. Ou viser un secteur. Ok. Il y a pas l'air que Mnadou travaille qu'on fait là, son travail justement pour garantir donc le secteur pour là et puis on barre un autre secteur. Et ça, pas le problème. Il n'y a pas le problème. Et dans la question constitution, le jour même du référendum. Il n'y a pas de problème, même justement donc le jour des élections. En tout cas, Esaïe César, et c'est clair qu'il va porter dans le débat que nous sommes là. Et Esaïe, et en attendant que nous avancions sur la question du référendum. Là. Oui, Esaïe, on va porter dans le débat. Bonjour, le nom. Bonjour, le connaissez. Bonjour, José Lexilon. Bonjour, vraiment à toutes. Et mon cher, avancer dans la fête sur la question du référendum, là, c'est gros causé et ça pile vérité. Et constitution que nous avons là, on dit différentes lois que nous avons dans la question pays, et les copier au niveau de la France par rapport avec l'esclavage que nous avons nommé blanc français. Donc, toute bagaille nous et nous sommes censés copier sur tout français. Même habillement, nous, et c'est à la dernière minute que Haïtien commence à américaniser. Donc, et puis, on vient comprendre tout. Haïtien vient comprendre dans quelques temps que c'est africain. Et après, on va venir à des bois, on commence à mettre. Yo mettez yo en Afrique. Et vous rappelez, le dernier voyage que j'ai fait, nous-mêmes, nous sommes en Afrique. Hein? Vous rappelez? Très bien, très bien. Donc, qui s'est passé, je vous le dis là, référendum et la fête chez Meli, selon toutes les informations, monsieur a travaillé sur question
il y a une décision qui prend pour capable de mettre une cellule et qui vient avoir question de sécurité, mais c'est sous l'obédience de la police nationale. Donc ça veut dire que le conseil électoral, en accord avec le ministre chargé des élections et des partis politiques, Mathias Pierre, mène un travail là pour qu'il soit capable de mettre sécurité électorale, ça c'est une sécurité électorale, ça sous pied. Donc c'est toute décision qu'on prend. Et au niveau des Nations Unies, tout support à bail selon dernière information qui sort dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, si demandé au gouvernement tout, chercher un accord minimal. Et il faut que pas voir ça. Donc ça veut dire que Jovenel Moïse, mandat que le gars là, pour le capable de dans le tête pouvoir, il faut qu'il accepte de faire des sacrifices. Sacrifice, ça veut dire que c'est Chita, chercher un accord avec l'opposition. L'opposition multiple, qui donc, nous connaissons, c'est une opposition qui a, qui a diverses formes, et il y a des gens qui poussent à parler, il y a des gens qui disent, pas chita avec Jovenel Moïse. Mais, il y a un pile chita, un pile débat qui a fait dans la classe politique là, pour dire, est-ce qu'il y a vraiment une volonté pour capable de chita parler? Les constater, ensemble de monde qui est en prison, qui vient avoir directement avec question politique. Donc ça, c'est des problèmes. Maintenant, il y a des gens qui disent, et l'on attaque un ensemble de groupes, et selon certaines informations qui ont circulé, ça a directement avec opposition, et le cas de Fantôme 59, qu'en pile monde, en société, senti que chaque fois, opposition et secteur ça, qui est le groupe ça, et développer la ria, et ça fait plaisir à ensemble de monde dans l'opposition. Mais tout, bon bon monde dans l'opposition qui après aller quoi sous côté, parce que les États-Unis d'Amérique, par rapport avec position que vous venez dans la dernière minute, avec question écrasé brisé, et ont accusé M. Fantôme 69 de écrasé brisé des actes et assassinat. Donc, dans plein de classes politiques, qu'on est qu'à les États-Unis d'Amérique, qui est qu'à Canada, qui est qu'à France. Maintenant, on est prêt à aller quoi, parce que il y a des gens qui sont dans pour qu'ils organisent des réunions. Et nous rappelons, nous avons dit ça dans le matin débat, les États-Unis avec la République dominicaine, que monsieur vient bien la caillou, eh bien, ils ont infiltré les réunions, ça, et qui prennent des résultats avec Bailala, côté qu'on a ensemble de monde, où regardez pour Léon Charles mettait non aux séries de policiers, non liste, côté le mettait à ville de recherche derrière. Donc ça va en pire problème, comme nous n'aurons pas la voix à nous connaître. Il y a la tremblade au niveau de la police nationale. La tremblade. Les différents, la tremblade. Vous avez la tremblade là? Dans différents commissariats de la région métropolitaine, surtout, on va prendre 5, 6 policiers qui ensemble à parler. Ça quoi c'est? Sous base, si vous voulez rapporter, vous avez une pergouille pour ne pas me mettre dans la liste. Ok. Donc, on va pas passer tout le coup de vie. Il y a des policiers qui étaient voyés dans la zone de la caillou. Et il y a des couilles des bandits ça eux-mêmes, il y a des bandits qui viennent avec des mounes et des autorités quelconques. Et bien, on a passé, ou pas vu loin. Et bien, il semblerait, selon toute information, il y a des nègres comme si, qui n'ont pas trouvé sous liste, parce que, il y a des nègres qui baillent non nègres, ils mettent dans la liste. Donc, il faut au état-major faire plus attention. L'air là, vous travaillez et font travail. Comme si, et qui est capable d'aider sur les assez vrai, parce que Fantôme 69 là, par rapport à la dérive qu'il a fait, en plein là-dedans, il a fait. Donc, il n'est pas normal pour que les gens aient bien, pour attaquer bien l'État, parce que bien l'État, c'est pour nous, c'est nous qui investissons pour acheter bien l'État. Leur boule aux machines, c'est comme si on attaquait le Conde, on attaquait les citoyens, on attaquait les élections, parce que c'est l'argent pas nous. C'est là qu'on contribue à bio, c'est là nous-mêmes qui payons les taxes, qui achetons les machines pour l'État. Donc ça veut dire que là, un peu de monde fâché par rapport avec des dérives ou ensemble de monde dans Fantôme 69. Mais comme du tout, comme un policier qui, dans la même classe, dans la même section, qui, ensemble avec un conseiller de policiers qui ont cité nos là, donc nous, qu'il n'y a pas content, il n'y a pas d'accord, d'une part, dérive Fantôme dans ces négos. En plus, voilà, tu vois que monsieur, pas attendez. Son bon, c'est un garçon qui pas attendez. Léon dit, pas fait tel bagage, il fait. Donc, il y a tout qui dit, ah, mon cher, moi-même, pas rentrer dans le risque là, ça, parce que ça, il n'est pas mené payer à aucun côté. Il y a tout, il dit, bon, moi-même, bah, on est, ma page. Donc, on y a que ça qui passe. Il y a, et t'as qu'on te dit, ailleurs, eh bien, il y a policier ça,
et lui-même et tirer les Angelois avec Angelo Jansi et ben monsieur habite dans Delmatrice et ben côté et ben gagné des nègres et ben c'était couillé les nègres parce que les nègres t'assemblaient dans impliqué dans ces deux actes malhonnêtes. Donc même j'en vais regarder pour eux, je mettais non Angelo Jansi qui lui-même s'est trouvé dans l'aéroport international avec magistrat communal et Pétionville là. Et on va lui dire, monsieur, à 10h du matin, on le dit, les décideurs passés, et on va lui dire, et le connaissez? Non. On va lui dire, non, monsieur, on va lui dire, non, monsieur, lui-même, si, sur l'ISA, fantôme sectionnel. Mais ça va lui dire, pour autant que, et le fait que l'IT est dans l'aéroport international, il n'y a pas de monde qui proche fantôme 69. Maintenant, il faut de là qu'il y ait une enquête approfondie par la DCPJ, par l'inspection générale de la police nationale, pour que Balaba ne paraisse comme méchanceté. Mm-hmm. C'est le cas également de ce policier qui travaillait, n'est-ce pas vrai, au Côte de Fer. Maintenant, le jour de l'incident, ce policier travaillait au commissariat. Mm-hmm. Donc ça veut dire que maintenant, il faut qu'on évite pour que, eh bien, pas gagner une sorte de méchanceté qu'a fait, parce que le cas de police et d'Elmaclet lui-même, Angelo Jansi, monsieur, c'est une nègre qui était qu'on a gourmé contre Bandi. C'est le cas également au niveau de commune Cafou. Mm-hmm. Mon nègre, le Gary Pierre. Monsieur, son nègre comme si son nègre qui pas jamais dormi. Monsieur, pas jamais dormi parce que il va corps et âme à couille des bandits, des vagabonds, dans BIA. Qui donc, ça, c'est des exemples que moi-même, que moi entendais et me gagne information. Eh bien, gros ensemble de nègres qui habitent dans la zone, yo, eh bien, et dans différentes zones, dans la région métropolitaine, pour le reste, nègres, ça, au tout, ils ont coupé fâché, ils ont pas d'accord pour un nègre qui est le bandit, grandi dans la zone, ça. Et c'est ça qui prend le bail, eh bien, qui prend le bail, eh bien, un ensemble de problèmes, en un pays, à côté des bandits, eh bien, soit quelqu'un ou autorité bien avec elle, eh bien, ils tout glissent, non, et elle, ok, sous base renseignement, c'est le bail de la police nationale, ou bien, c'est le bail autorité, autorité, elle-même qui bien, avec ou soit, par exemple, il y a des gens là, et dans le niveau l'ISA qui baille là, il y a des gens qui gagnent à coïncidence avec des ministres en de gouvernement. Maintenant, il y a là, les gens même tout le monde dans la police, ça, puisque le policier, ça lui-même, il n'y a pas de conseil de baille qui a passé dans la zone, maintenant, il y a l'autre qui dit non. Maintenant, moi-même, je ne vais pas démarcher le policier, ça, soit dans la photo ou dans la photo, mais seulement, en tant que leader d'opinion, DCPJ, pour faire travailler ça, c'est ça. Que DCPJ, que l'inspection générale de la police nationale, fait travail qu'il faut, parce que chaque fois où fait une injustice à travers un dossier, il vient créer un bandit. Donc, c'est le cas, exemple, de barbecue. Nous essayons d'un nègre, selon l'information de Gaye, qui était comme vous, mais avec un conseil de nègre, qui était comme a fait Zach Banditif dans la zone côté lié. Et bien, on prend lui, nous, même barbecue ça, on prend tout une opération dans Grand Ravine, et puis on prend citer nos monsieur comme monde qui fait massacre. Et qui s'est passé? Eh bien, Babé, tout ça, je vais arrêter, monsieur. Monsieur dit, pas arrêter, que qui disent carrément eux-mêmes yo c'est bandit, yo c'est moun qui a fait kidnapping. Exemple, il a pris, exemple, monsieur Zahok se trouve plusieurs policiers là. Donc, en pile parole à parler. Même j'ai entendu le collège, en la société à côté de la fait, on peut nous poser la question, pour qui ça fantôme section F yo, si on était, selon certains moun, si on était allé, on te dit, bon ok, rendez-vous devant le village de Dieu, nous allons attaquer les gens qui ont capturé les policiers. Il y a une majorité de la société à accompagner. Où est-ce que là? Donc ça veut dire que le problème, non, c'est parce qu'ils ont été mal orientés côté pour y aller crier. Il n'y a pas crier côté cadavre, il y a crier côté séquel là. Donc c'est ça qui nous pose le problème. Donc je dis à là, il faut que je dise que le ministère des Affaires étrangères et des cultes avait pris une décision côté l'écrit, les représentants diplomatiques, qui sont les représentants diplomatiques dans le pays, et bien pour capable prendre une décision. Quel que soit citoyen qui vient à voir avec question fantôme 69, M. Sayo n'avait pas qu'à entrer aucun pays à travers le monde. Ça veut dire que M. est coincé en un pays. Mais tout, et ça qu'on a dit, faut qu'il y ait une bonne enquête, pas qu'il y ait à la vie qui vous faites là, faut qu'il y ait une bonne enquête qui vous mène pour qu'on ait qui police qui exactement impliqué en un fantôme 69 pour pas qu'il y ait méchanceté, pour qu'il ne va créer l'autre bandit, l'autre barbecue.
Eh bien, merci en pile, les Aïs, César, merci en pile. Merci en pile. Ok, voilà. Donc, nous sommes sous question et constitution. Et alors, on a vu une question pour l'histoire tout à l'heure. Et donc, dans l'émission Matin Débat. Ok.